sera assez ordonné en série de 3 questions. Bonjour. Je suis Béninga Bernard, Jean Vert, consultant en équipe d'œuvre sociale. Je tiens déjà à tirer mon chapeau aux différents panélistes. Et comme le thème de la conférence indiquait, on se sera attendu à voir un acteur incontournable, c'est-à-dire les CTD. Néanmoins, la structure qui les représente, le CVUC. J'aimerais aller droit au but. La plupart du temps, lorsqu'on se rencontre dans des occasions pareilles, entre les organisations de la société civile et des personnes pour les apporter des précisions, on évite le véritable sujet. Je me réjouis qu'Assoile soit là et le Cypré. Vous qui travaillez sur le terrain, vous connaissez, vous maîtrisez réellement les meilleurs des problèmes que rencontrent des organisations qui sont particulièrement politiques. Parce que vous savez que pour pénétrer dans une mairie, il faut maîtriser l'environnement. Il ne s'agit pas forcément de maîtriser tous les contours techniques, parce que la Sénat juridique, nous la maîtrisons tous. Mais le problème qui se pose, c'est que vous savez que pour entrer dans une mairie, il faut préalablement maîtriser quelle est la philosophie et la sociologie du milieu. Comment est-ce que vous pensez mieux outiller ces organisations qui sont là pour utiliser le milieu et pouvoir se faire connaître? Jason Sadel, j'ai 2 questions certainement qui vont laisser quelques brefs commentaires. La première question va à l'endroit du premier intervenant, monsieur Kamala Lewis, qui a épilogué sur le cadre institutionnel et les modes de coopération entre les CTD et les OSC. Justement, je voudrais lui poser une question qui est celle de savoir si la juxtaposition des cadres institutionnels et des modes de coopération ne fragilise même pas cette coopération qu'on veut implémenter entre les CTD et les OSC au Cameroun. Vous savez pertinemment que les bailleurs de fonds coopèrent aussi avec les OSC. Pour le cas spécifique de l'Union européenne, dont l'un des panélistes a fait état en le présentant comme étant l'un des principaux bailleurs de fonds, lorsque l'Union européenne lance un appel à proposition, dans ses lignes directrices, il stipule certains appels au niveau de la distribution des lots, stipule précisément que lot 1, CTD, lot 2, OSC. Maintenant, au niveau des conditions d'éligibilité, vous apercevez que on vous dit pour être éligible, il faut être et. Donc, du coup, c'est des conditions cumulatives. Ce qui fait que dans ce cadrage-là, vous apercevez que pour une structure comme l'Union européenne, ces lignes directrices ne permettent pas de manière dynamique de renforcer la coopération entre les CTD et les OSC. Et les OSC, pourtant, c'est vers ce barrière-là que ces différents acteurs sollicitent des financements dans le cadre du programme Acteurs non étatiques et autorités locales pour le développement. Bien, alors, je voudrais savoir si cette juxtaposition des cadres institutionnels et de coopération ne fragilise pas la coopération qu'on attend entre les CTD et les OSC. Bien, maintenant, je voudrais adresser l'autre question à M. Achille Ndaimaye. J'ai apprécié le brillant exposé qu'il a fait sur un exemple de succès de coopération entre Assoile et la commune de Yaoundé, Saint-Yaoundé premier dans le cadre d'un certain nombre de projets. Je voudrais aussi attirer son attention sur un certain nombre d'écueils, particulièrement dans la commune de Yaoundé premier parce qu'il les a nommément cité celle-là. En 2012, lorsque nous faisions la priorisation, la théorie de planification des projets prioritaires pour l'élaboration du plan communal de la commune de Yaoundé premier, les superviseurs que nous étions à l'époque, on s'était heurté à 2 difficultés majeures. D'un côté, les populations avaient une connaissance limitée de l'ONG Assoile. De l'autre côté, les populations avaient une représentation sociale négative vis-à-vis du maire. Ok, merci monsieur le modérateur. Je me passe la parole. Alors, la question de M. Michel, elle est beaucoup plus liée à ce que j'appellerais
la mobilisation des ressources et des partenariats. Je pense que quand une organisation est mise en place, il y a toute cette structuration, cette gouvernance, cette structuration interne qui doit avoir lieu. Et maintenant, après cela, l'organisation se lance dans la coopération. L'organisation va maintenant à la recherche des partenariats, à la recherche des financements, des ressources pour la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Alors, d'après certaines dispositions de la Déclaration de Paris, quand les financements arrivent au niveau des partenaires, on voudrait, moi je parle aussi sous la casquette de mon organisation, la coopération allemande, on voudrait que les interventions s'alignent aux politiques nationales. Alors, pour revenir de façon spécifique à votre préoccupation de dire pourquoi on fait l'OSC, l'OCTD, je pense qu'il y a aussi un besoin de conforter chaque institution d'abord dans sa position. Donc, rien ne sert à lancer des appels à projets et où on va recevoir des projets finalement qui n'ont pas une certaine cohérence en soi. Donc, on fait un lot pour les communes dans le cadre du renforcement peut-être de la décentralisation, dans le cadre du renforcement de la gouvernance locale. On fait un autre lot pour les OSC aussi. La dame a dit tout à l'heure, les OSC sont absents sur le territoire. Les OSC ne sont pas là. Donc, il y a les projets, on cherche les compétences en termes de participation citoyenne auprès des OSC, on n'en trouve pas. Donc, faire l'OSC aussi, c'est aussi conforter ces OSC dans la position d'acteurs de veille citoyenne qui doit avoir un regard sur comment est-ce que les choses se déroulent, comment est-ce que finalement les politiques publiques sont mises en œuvre dans la cité. Aussi en lien avec le cadre légal dont j'ai mentionné tout à l'heure. Donc une OSC ne pourra pas faire des propositions, des projets qui vont à tort et à travers. Là, ça ne passe pas. Donc je pense que votre préoccupation, c'est beaucoup plus la mobilisation des ressources, le fundraising, la mobilisation des ressources et des partenariats. Et là, il y a un besoin aussi pour les partenaires internationaux de conforter premièrement chacun. C'est d'abord ça, on conforte chacun dans sa position, quitte à vous maintenant, au niveau local, de développer des synergies parce que le cadre légal et institutionnel offre des possibilités. Et je voudrais aussi mentionner, n'attendons pas toujours des financements d'ailleurs. Essayons. N'attendons pas l'Union européenne, n'attendons pas la coopération allemande, n'attendons pas la Banque mondiale. On peut. Donc ça, c'est un peu mon avis par rapport à votre question. Et pour embrayer sur la question du premier intervenant, sa préoccupation me conforte un peu, en fait beaucoup, parce que nous, au quotidien, les leçons qu'on a tirées de nos accompagnements, c'est que les OSC ne sont vraiment pas outillés. Les OSC ne savent pas comment pénétrer tous ces espaces de dialogue, de débat. Les OSC ne profitent pas assez du cadre institutionnel qui existe. Et bon, je vais passer la parole peut-être à d'autres copanélistes. À ma connaissance, il faut noter que les appels qui sont publiés par la délégation de l'Union européenne sont publiés sur la base des objectifs qu'ils veulent atteindre. Généralement, quand vous voyez dans un appel, on dit l'eau 1, commune. Si vous lisez entre les lignes, vous allez vous rendre compte que ce type de l'eau concerne exclusivement le renforcement institutionnel. Le renforcement institutionnel. Et par ailleurs, on va même encore plus loin. Cela veut dire que lorsque vous déclinez, n'est-ce pas, l'objectif principal de votre proposition,
il est même question de la décliner de telle sorte que dans la mise en œuvre opérationnelle, qu'on voit comment est-ce que l'institution va être renforcée à partir des actions des citoyens. Ça, c'est souvent, ça, c'est clair. Je le dis parce que j'ai monté plusieurs projets. Je maîtrise vraiment ce canevas. Maintenant, le lot 2. On ne peut pas parler, en ce qui concerne les appels de l'Union européenne, de la juxtaposition des cas de coopération. Non. Le lot 2, les appels qui vont en direction des organisations de la société civile sont des appels qui visent à l'élaboration des stratégies alternatives. L'élaboration des stratégies alternatives aux réponses des besoins exprimés par les habitants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous allez vous rendre compte que lorsque le lot 1 s'appuie sur le renforcement institutionnel, on sait bien que la commune a peut-être des fonds pour réaliser des ouvrages et autres. Bon, maintenant, bon, sur le plan institutionnel, il faut peut-être revoir peut-être les questions peut-être de procédures et autres. Il faut travailler là-dessus. Tandis que dans le lot 2, il s'agit donc maintenant, et c'est le lot qui est réservé pour les organisations de la société civile, il s'agit donc maintenant de proposer, à partir de ce lot, des actions, j'ai dit bien des actions alternatives, c'est-à-dire qu'en plus de ce que la commune fait déjà, peut-être la commune fait, mais elle ne fait pas si bien. Maintenant, on donne donc la possibilité aux organisations de la société civile de proposer une autre façon de faire, en impliquant non seulement les habitants, mais en privilégiant, en dernier ressort, la collaboration avec la commune. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que c'est un appel qui donne l'opportunité à l'OSC de pouvoir prouver ses capacités à la commune. Ça se comprend très bien. Ça veut dire que pouvoir prouver ses capacités, son expérience, puisque l'OSC agit dans une stratégie alternative. Mais lors des résultats, et c'est la raison pour laquelle, à la fin, lorsqu'un maire découvre que « Maire, j'ai négligé vraiment cette association. » Je dis, la collaboration entre Assoual et Yaoundé Premier n'a pas été facile. Et nous avons le représentant du maire de Yaoundé Premier qui est là. Il lui-même peut vous témoigner qu'au départ, ça n'avait jamais été facile. Mais c'est lorsque nous avons commencé à construire, à travailler sur les propositions alternatives, sur des stratégies alternatives, que le maire Léon de Primaire dit « Hey, merde, donc si je collabore avec cette organisation, elle peut m'apporter un plus. » C'est comme ça qu'on réussit à bâtir cette collaboration. Et je m'arrête là. Monsieur Bellinga. Oui, merci bien, monsieur le modérateur. Je vais être rapidement à la suite de Assoual. Assoual, ce qu'il dit, vraiment, je suis 100% d'accord. L'un des panélistes a déjà dit tout à l'heure, quand vous arrivez vers un maire pour lui dire il n'est pas bon, il ne sait pas faire ceci, il ne sait pas faire ça, naturellement, vous avez déjà tracé la ligne de l'échelle de la collaboration entre vous. L'OSC, comme disait tantôt, compétente, doit pouvoir lire les problèmes des autres. Nous sommes là pour faire des actions de proximité, pour aider les populations à lire leurs problèmes, à s'organiser pour les résoudre avec notre appui. Alors la question précise, comment on fait pour travailler avec une commune ou, dirons, avec l'exécutif communal, en commençant par le maire? La première des choses, c'est d'identifier des problèmes pertinents. Ce n'est pas le maire qui viendra aligner les OSC pour dire « j'ai des problèmes ». C'est à vous. Vous identifiez une commune où vous voulez travailler, où vous sentez que vous avez des compétences que vous pouvez apporter. Une commune qui présente à vos yeux des problèmes pertinents. Vous ne pouvez pas traiter tous les problèmes. Vous prenez un problème sur lequel vous pensez que vous avez de la compétence pour apporter une solution, une vraie solution. Et en ce temps-là, vous abordez le maire, vous abordez le responsable.
ce n'est pas toujours facile ce premier contact parce que c'est des gens généralement un peu soupçonneux. Est-ce qu'ils viennent demander l'argent? Est-ce qu'ils ne viennent pas compromettre peut-être mon élection prochainement? Non, nous sommes là pour le développement. Le développement n'a pas de parti politique, n'a pas. Donc vous identifiez un problème pertinent et sur la base de votre compétence, vous allez rencontrer le maire. Vous lui expliquez que monsieur le maire, je pense que dans cette commune, il y a tel problème. Si le problème est pertinent, vous allez voir comment le maire va se reculer et bien s'asseoir sur sa chaise et vous écouter. En ce temps-là, vous déployez votre arsenal technique parce qu'il ne s'agit pas encore de l'arsenal financier. Quand le maire est convaincu, il vous demande ensuite, mais et comment on peut réaliser ça si à jamais vous montez sur la déployer? Vous dites, monsieur le maire, il suffit d'abord qu'on puisse s'entendre sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on le fait ensemble? Comment on s'organise? Comment on pourrait s'organiser si on trouve des moyens, puisque le premier moyen, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'argent existe, mais c'est souvent des très bons projets, des projets bien montés qui manquent. Donc quand vous identifiez ce projet, quand vous avez ce premier contact, vous dites, nous allons essayer et vous allez vous commencer à travailler. Monter un projet sur le canevas de l'Union européenne, on ne se lève pas un matin pour le faire. Si vous êtes le genre d'OSC dont on parlait tout à l'heure, les aventuriers, les opportunistes, c'est la décentralisation aujourd'hui, il y a l'argent. Vous ne pourrez jamais trouver un financement facile, encore moins trouver auprès de l'Union européenne. Montez un projet, prenez le canevas. Le canevas même n'est pas à la... Le premier venu ne peut pas arriver à lier un canevas de montage de projet de l'Union européenne. Donc il faut que les organisations de la société civile se forment. Vous ne pouvez pas aller renforcer les capacités d'une structure, d'une commune encore, quand vos propres capacités sont très faibles. Donc, nous devons nous armer. Quand nous nous armons, nous identifions des problèmes pertinents pour les autres. Nous en avons les capacités, parce que nous avons développé nos capacités. Nous allons vers pour leur dire, nous venons vous proposer. On dit, nous sommes des forces de proposition alternatives, des alternatives productives. Nous allons proposer, si c'est bien argumenté, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. On ne vous reprochera pas de n'avoir pas trouvé le financement, mais déjà, quand vous avez monté sur votre bonne foi de bons projets, on continue.